apprenant qui vient. Allez, prends la main. Va, Gabi, qu'est-ce que tu fais là? Freddy, le recruteur de l'OM, était décidé à engager Nabil pour la saison prochaine. Mais l'attitude du minot semble avoir refroidi son enthousiasme. Alors là, je demande à tout le monde qui c'est ce petit neuf, comment il s'appelle, parce que moi j'ai l'intention de le faire venir à l'OM, et en deux minutes, tu es en train de me mettre tout en l'air. Lâche pas, Jo. Si tu fais ça, je pourrais pas te prendre, c'est pas possible. Hein, tu perds, c'est pas grave. C'est un jeu, le football. Ok, c'est important ça, hein, pour la vie. Hein. En deux minutes, tu es en train de gâcher toute la comédie. Là. Que j'ai vu que tu es dans ce match. C'est nerveux, on dit pas t'es nerveux, mais c'est pas une solution ça. C'est pas grave. Allez. Et je vais voir. Mais tu as fait la grosse connerie de ta vie là. Tu as fait une grosse partie, une grosse après-midi sur un coup de nerf. Regarde, tu envoies tout en l'air. Et je vais y dire. C'est lui qui a demandé, c'est pas nous, on lui a rien demandé. Il m'a dit je veux le joueur numéro 9 pour l'année prochaine. Moi, j'ai même pas vu ce qui s'est passé. Il m'a mis le pied, j'ai fait pour. Ah ben il t'a mis le pied, c'est sportif ça. Dans le sport, il a dit. On va aller boire un coup, on verra tout à l'heure. Mais Fred, il est parti là. Pas grave, Nabil. Oh, club, ah, ce genre de réflexe, ils pas trop les mecs. Hein. Oh, il y a que 9 maillots. Mais ils sont jeunes quand même. J'ai compté. En tout, il y a. Faudra voir, on verra avec Thierry, Fred, mais je sais que la réaction qu'il a eu le petit, elle n'a pas été très appréciée de la part de. Par rapport à la petite dispute qu'il y a eu. Ah, mais c'est pas grave, tu sais, des fois, normal, le principal, c'est qu'il reconnaît sa faute. Sa faute, et bon. Il s'est excusé, bon, maintenant il faut qu'il comprenne quoi. Après c'est à toi, bon, si tu veux le punir, il faut que tu sois puni. Non, moi c'était plus par rapport à bon Fred, il m'a dit c'est un jeune qui nous intéresse, éventuellement, on pourrait toujours essayer de le voir pour les années à venir. Et peut-être qu'il confond avec comment il s'appelle, avec Mehdi. Le 9, non, il m'a dit le 9. Ouais, mais Mehdi il avait le 9 aussi. Non. Après, Mehdi Nekar. Non. Qui là et que j'ai sorti. Non, c'est Nabil qui m'intéresse. C'est Nabil, on n'a pas de problème. On peut les faire un essai, ça va, ils vont pas s'arrêter là. Ce qu'il faut, c'est lui dire, le mec de l'OM, il était là, il a... De toute façon, je vais vous dire à l'OM, ça, la loi, la clé, Mourad, le couteau stock, il a, j'arrive. Qui t'a dit le monsieur de l'OM? Il y avait trois problèmes pour moi dans le terrain. Et en deux minutes, je dois faire le terrain. Il est dans l'espace. Surveiller tout. Tiroir, Yann. On va laisser par là. Il ira. Ça, c'est la chambre du bébé. La fin de saison est chargée pour les Marseillais. Il y a quelques jours, l'OM a perdu contre le PSG et Bordeaux a repris la tête du championnat. Pourtant, un seul match occupe les esprits, la finale contre Parme.
Elle se jouera à Moscou, un déplacement qui se révèle compliqué pour les groupes de supporters. Bon, le passeport, il faut les photocopies des quatre premières pages, c'est-à-dire jusqu'au timbre fiscal. En face, c'est une photocopieuse. Ouais. En plus, il faut 3 photos d'identité identiques. Identiques. Hein? Il y a une photo Moscou, c'est pas loin. Il faut remplir ce papier. Après, il faut un chèque de 70 francs à l'ordre du consulat de Russie. Et après, un chèque de 1300 francs pour le déplacement, avion et place comprise. Comment elle se fera? À la porte 13. Alors que 3000 supporters sont finalement partis pour la capitale russe, Marseille vibre d'impatience en attendant la rencontre. Et malgré l'absence de 4 titulaires, on croit fermement aux chances de l'OM. 1-0. 1-0 premier quart d'heure. Maintenant, je allez, sais 4 pas. À 0. Ben. 3-0. C'est le 19e pour retourner la tête sur corner. Non, comment 2-1. À la 16e minute. 1-0. 2-1 pour l'OM. Quelle minute hein? Ah, je sais pas, Nostradamus non plus. Hein. La mairie de Moscou. Voilà. Là-bas, à Moscou, les supporters ne sont pas aussi joyeux. Encadrés par la police, interdits de visite, on les autorise à peine à entrevoir la capitale russe à travers les vitres des bus. Le tout dans une ambiance pour le moins tendue. Les 4 heures d'avion pour atteindre ça. On est venu pour visiter un peu. Hein. Oui, j'aurais vu quelque chose de beau, une chose. Le premier tsar de la Russie, c'était Ivan le Terrible. À droite, le bâtiment en style moderne, c'est l'hôtel de 5 étoiles, Métropole. Irène, ma fille. Laissez toutes les bouteilles en mer. Je suis un peu dégoûté parce que nous emmenons en bateau, on n'a pas vu la place rouge, on est resté dans les bus de l'aéroport jusqu'ici au stade, et voilà, c'était n'importe quoi. Et puis on Ils nous ont pas fait sortir du car, c'est pourri. Nous, sur tous les papiers qu'on a reçus, c'était marqué nul ou pas. Que cela, c'était interdit. Maintenant, si nous on savait, je l'aurais pas amené. C'est déguisé en quoi? En feu. Mais pourquoi? Parce que ce soir, on vous met le feu. En tant que président des Feux Rouges de Marseille. Laurent Pantin parlera comme nous. Pour Mourad, Christian et Alex, réunis au restaurant chez Vincent, l'optimisme est de rigueur. 90 minutes, je ne sais pas, hein, pour 2-0. 2-0. Il n'y a pas d'aller et retour, là il y a un match. Cette finale de la Coupe de l'UEFA 99 qui va être donnée maintenant par Youssef. À la victoire. C'est un cadeau. C'est pas ça.
pas la tête, l'autre il en profite, il en veut tout le monde. Après, c'est facteur de. Les mecs en face, ils se libèrent. Hein. Voilà un coup comme ça, c'est. C'est le plus fort qui a gagné ce soir, hein, y a pas photo. Hein. Elle était pour eux, elle était méritée pour les Italiens. Hein. Y a pas photo. Là, c'est la piscine, ça. Je suis venu de la piscine Valier, il y a un stade aussi. Morad s'est démené. Il a rappelé le recruteur de l'OM et réussi à le convaincre. Nabil et Eddy sont convoqués pour un stage de détection. Voilà, est arrivé. Hein. Quelle chaleur. Ah, Eddy, tu vas voir, il va boire une bonne gorgée de d'eau, là. Il va nous faire des prouesses. On va faire un match aussi. Bah, je sais pas, hein, c'est pas moi qui mène la séance d'entraînement. Hein. Le nerveur, il est là, le nerveur. Ouais, il est là. Ouais. Ça va, Freddy? Non, mon ami. Ça va. Ça va, le nerveur. On est arrivé un peu tôt, hein. Non, non, c'est bon. Ça va. Parce que me regarde toi. Je sais pas, tu fais ça, il me dit, moi, je suis un nerveur. Hein. Je suis nerveux. Je suis nerveux, je suis nerveux. C'est bien, c'est pas grave. Hein? Tu t'es expliqué, à toi, quoi? C'est pas grave. C'est un chien, c'est. Faut pas s'énerver. Faut avoir du talent. Voilà. Faut avoir du caractère un peu, mais. Là, ouais, on va voir un petit peu. Où tu jouais, toi? Quel club? C'est comme ça. Oh, Marc. Nicolas. Dana Nicolas. Ouais. Maman normalement n'est pas timide. Hein. Et le nerveur il est là aussi. Le nerveur c'est lui. Vas-y, prends le nerveux. Quand t'as bien obligatoire. Hein. L'ambiance est très sérieuse. Les minots ont toute une série de tests à passer. Dribble, jongle, contrôle, tir. Après, on changera de pied s'il y a des gauchers. Essayez de faire partie, remontez votre ballon du sol et non pas avec la main. Pied gauche. Ils auraient eu plus de chance s'ils auraient été poussés une deuxième année pour l'année prochaine. Là, comme ils passent Benjamin première année, ça va être. Morad s'inquiète pour rien. Nabil et Eddy seront finalement retenus. L'année prochaine, ils porteront le maillot de l'OM. À quelques jours de l'accouchement, Cécile est venue visiter l'expo d'un ami photographe. Un ami à qui elle a fait découvrir le monde des supporters. Voilà, le local, tu m'as présenté Pépé, c'est passé, ma chienne.
Et j'ai pris l'abonnement cette saison. Et depuis que j'ai l'abonnement, bon, il en a plus besoin. J'en ai plus besoin, c'est vrai que bon, j'en ai plus besoin. Avant j'étais son passeur, voilà, de porte en porte pour aller. Maintenant c'est moi qui vais te faire passer, tu vas voir depuis. Ça y est, il est sur un velours aussi, me fait. Non, mais c'est un travail sur les supporters marseillais. Franchement, j'ai découvert à la fois déjà tout le groupe, c'est-à-dire la préparation, tu vois, la préparation des tifos, le machin, le local, et jusqu'au coup d'envoi, tu vois, qu'est-ce qui se passe, le spectacle des supporters. Et j'ai fait, si tu veux, les deux défaites cuisantes, Toulouse et Bordeaux, que ça, franchement, j'ai cru que tu vois, j'étais chat noir là, sur les deux premières, et après on a fait l'Europe. Ouais. Là, on ne sait pas qu'on perd, il n'y a rien marqué là-dessous. Non. Non, Marseille gagne. Il y a des visages quand même. Ah ben là, il y a un peu de peur. Mais c'est vrai que ça tremble pas. Oh, tu as filmé ça? Tu as filmé le ballon qu'il y a là? Il n'y a pas de but là? Enfin, je sais pas. Aucune réclamation. Prolongation. Ça prend combien derrière? Venez les autres là, venez. C'est bon là, voilà. Non, encore pas plus, non. Ça dit à maman. Là-bas, l'autre côté, c'est ouvert. Allez. Allons, c'est pour les chansons de l'OM, vous connaissez pas? Alors chantez là-bas-haut. Jour de fête pour les Flamands. L'OM les a invités au dernier match à domicile de la saison contre l'AG Auxerre. Pour certains des minots, c'est la première fois qu'ils mettent les pieds au Vélodrome. Voilà. Et ça pue derrière, tu vois, et l'autre il renvoie. Toi c'est lui qui est derrière, c'est Jocelyn en temps normal, on est d'accord. Toi tu es Amada, regarde-le, il est dans son couloir, est-ce qu'il va vers le ballon? Non, toi tu vas toujours vers le ballon. Pourquoi? Il n'y a pas les autres devant. Je
Il a même dit ça. Attends, on va le mettre au milieu. Il va le pousser. Voilà, c'est le piou-piou. Non, attends, j'étais là, j'étais toute seule, il était à la réunion des winners. Je me suis levée, je commençais à faire les osios, puis je suis bon, je crois qu'il va falloir y aller ou quoi. Donc j'ai téléphoné, j'ai dit bon, viens vite, mais t'affole pas, c'est rien. T'es arrivé, j'étais sous la douche, j'ai laissé la porte ouverte et tout, elle dit, ça va. C'était impossible qu'il nous l'échange, impossible. Hein? Voilà. C'était il y a 11 jours. Voilà, la saison est finie. Parme a gagné la Coupe de l'UEFA, Bordeaux est champion de France, l'OM n'a rien remporté. Mais peu importe, il y aura l'année prochaine un nouveau membre des Winners, deux minots de talent sous le maillot blanc, un club de supporters sur Internet et des dizaines de matchs pour rêver. Et puis surtout, surtout, il y aura toujours des milliers de Marseillais pour rire, pour chanter, pour vibrer, pour crier plus fort que tous les autres leur amour de Marseille, leur passion de l'OM. I'm sorry.